Ah, salut YouTube. Bon, de retour sur ma parcelle où la flotte continue de monter. Ça craint. J'espère qu'il va pas y en retomber d'ici là, parce que sinon là ça va être la cata. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la flotte elle était les arbres là étaient sous la flotte, mais je pouvais marcher ici là. Bah là c'est plus le cas. Là ici c'est plein d'eau. Il y a un petit rue là qui est en train de se créer sur le côté là. Hop. Bon, moi je suis là-bas. Il reste un peu de dénivelé. Ah, je sais pas comment ça peut représenter. 1m50, c'est pas énorme. Hein. J'espère que je me suis pas gaufré sur l'emplacement de mon stockage. Bon, un petit tour dans la proprio, parce que dans la propriété. Le proprio m'a dit qu'il fallait que je fasse des arbres en urgence. Ils sont situés vers la fin de la propriété, j'y suis pas allé. Donc on va aller voir ça. Allez go. Les arbres que je vous avais montré la dernière fois là, ils sont sous la flotte. Clac, donc là c'est rempli. Là, il y a les cochons qui sont passés, les sangliers. Là, il y a de l'eau. Ah, tout ça est bien inondé. Hein. Pas mal de tomber. Wow. Ah ben, je passe pas là-dedans. Hein. Que ce bordel. Ça va être chaud ça. Ça va être chaud, ça va être chaud. On est avec des cuisseurs d'ici. Oh, suite. Ah ouais, ça fait une grosse basse là. Bon, du coup je passe là. Non, je passe pas là. Ouais, ben ça va attendre. Bon, ben fin du game, je passe pas là-dedans. Journée avortée. On va attendre que. Oh là, catastrophe. On va attendre que ça redescende. Je me fous pas les pattes là-dedans, là, à faire de la merde. J'ai déjà dit, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et moi, je passe pas là. Bon, allez! Ciao, ciao, à plus! Bon, bah voilà, j'ai réussi à passer quand même. Ben le truc, il est rempli d'eau à nouveau. Bah, c'est ça un peu les plaines alluviales. Hein. On voit là-bas, j'ai une de mes piles. Là-bas, tout au fond, là. J'ai une de mes piles qui est faite. Bon, c'est pas simple, hein, c'est des hauts, des bas ici. Et quand la rivière elle déborde, et ben ça fout de l'eau partout, donc c'est pas simple d'accès. Bon, proprioto, le proprio. Je bégaye moi. Le proprio m'a demandé de venir parce qu'il y a des arbres qui sont tombés. Même pas où je les avais vus. Il y en a certains qui ont pété la clôture. Alors, comme il y a des chevaux ici, là faut faire fissa fissa. Donc je vais commencer par celui-là. Il vient jusque là, il y a l'autre qui est en travers là, je vais le faire tomber, j'ai emmené le tir fort. Il y a celui qui est là, on va en profiter d'être dans le secteur pour le faire aussi. L'autre à l'horizontale, celui-là je crois qu'il est vieux, mais on va regarder, je pense qu'il est, le bois est mort. On va le faire tomber quand même pour la sécu des animaux. Et puis dans ce secteur là c'est tout bon, après il faut que je reparte
Ah, il y en a un autre qui est planté là-dedans. Deux même. Ouais, bah celui-là, je les ferai. Il ne dérange pas. Et puis là-bas, au fond, là, tout au fond, là-bas, j'en ai. J'en ai moins deux ou trois. Bon, bah allez, c'est parti. Go! Il a pété la clôture là-bas, donc c'est pour ça que le proprio m'a demandé de le faire
en urgence pour qu'ils puissent réparer. Et ben allez, je vous montre ça en vidéo. Là-bas à faire et puis c'est bon, on va pouvoir refaire la clôture. Bon ben sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus tard, puis important, prenez soin de vous.